1996. 1996, je me rappelle, c'était cette année où j'avais fait un barbecue avec Jean-Michel. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que Jean-Michel était un Asiatique déguisé qui était venu pour me voler toutes mes idées de shmup. Et je le retrouverai donc plus tard, derrière ce jeu, qu'on entend couramment un peu derrière, et qu'on va regarder tout de suite pour ce nouveau numéro de The Big Gamowski. Vous avez vu ça? J'ai changé l'habillage. Non, je plaisante en fait. Je n'ai rien changé du tout. C'est juste lors de la présentation que... Oula, Ultra X Weapons. C'était mon idée à la base. Mais on va voir si c'était exactement le jeu tel que j'en avais parlé à ce barbecue et cette merguez party avec Jean-Michel, qui en fait était un espion asiatique, je le rappelle. Suspense. Alors, deux vaisseaux. Non, mais c'était pas exactement ça mon idée en fait. Mais on l'a déjà fait, non? Ultra X-Weapon n'est rien d'autre que Ultraman himself, les gars. J'ai vraiment hâte de plonger dans cette kitscherie de 1996, donc je ne connaissais pas ce titre. Je me rince un peu les yeux avec cette rotation de palette. Ça fait du bien, hein? Et vous, ça va? Ouais, pas mal. Cool. Venez, on embarque. Serais-je, ou bien, ou encore, ou même... Prends celui-là, il a l'air sympa. Allons-y, hein. D'ailleurs, des commandes super compliquées, genre le tir et une méga balle. Oh putain, la zic. Cette bande son est violence. Cette bande son est... Fallait que je l'essaye. Eh, fais-moi les mains qu'on a un pote qui s'appelle Ultraman. Haha, bande de cake. Alors, je peux jeter des trucs. Ok, d'accord, c'est des mines. Oui, j'interviens quand même. Alors le jeté de mine est assez particulier à maîtriser. Ça a demandé un petit entraînement, je pense. Qu'est-ce que t'as fait hier? J'ai jeté des mines. T'étais tout seul? Non, j'étais avec Ultraman. Ok. Quel est le malotruc caché qui ose me lancer des missiles à très longue distance? Alors je ne suis qu'amour. Salut ami. Oui, bah tu m'as raté. Si c'était mal divisé, je vais rebosser un petit peu ça. Oula, le pattern. Mais dis donc, t'as fait ça tout seul? Je sais pas si je vais survivre jusqu'au prochain niveau. Moi. Oui, bah j'ai un jeu d'acteur qui est au niveau du script, hein. L'autre, il n'en a même pas tiré de rage. Non, je me casse. Ah, mais il a appris à tirer de côté, zut. Alors ça, c'est quand même ballot. Eh bien, tu vas te faire... J'avais oublié que j'avais mes mines. Mais lâche-moi, truc étrange qui me tournoie autour. Ne serait-ce pas du harcèlement de personne, je veux dire. Je vais déposer plainte, je vais crier sur Twitter. Je vais dénoncer. Et oui, parce qu'on en a parlé dans le cinéma du harcèlement sexuel. Mais dans le jeu vidéo, hein? Qu'est-ce que vous croyez qui se passe? Bah, tous les jours, je reçois des courriers de fans avec des photos. Complètement improbables d'ailleurs. Et c'est terrible. C'est terrible. Nous ne sommes pas que des stars, nous les youtubeurs, qui avons cumulé 17 vues depuis... Quelle année déjà? Ah, je dis n'importe quoi parce que là je suis en train de dégommer des trucs qui ressemblent à n'importe quoi, hein, si on est bien d'accord. Oui, j'avais oublié encore que j'avais ces mines parce que c'est... Comment dire? Oui, ça se voit que je n'aime pas ce jeu. Oui, bah, je sais, je sais. Mais je le joue quand même. Pour le principe, je suis sympa.
La première fois, je veux une capsule qui te tire sur la gueule si tu ramasses pas les bonus assez tôt. Hein, j'aime beaucoup. Oui, je continue parce que là, je sens qu'on a quand même un morceau de stream avec des grosses balls dans un truc bien moulant. Oh, dis donc, un ami. Tiens, mange mes mines. Ah, bah oui, mais non. C'est pas possible, ça. Mais tu es trois. C'est dégueulasse. Non, mais non, je vais me casser, moi, si tu continues. Les hommes crabes. Il faut toujours se méfier des hommes crabes. Ouais, ramasse pas le bonus, il ne sert à rien, tu n'en auras pas besoin au prochain niveau. On est qu'au premier stage, oh mon dieu. Alors, je vais peut-être spoiler un peu, mais je pense que je ne vais pas vous le streamer en intégralité, ce jeu. Il est beaucoup trop bien. Comment ça, vous avez détecté une sorte... C'est quoi? Votre détecteur au cynisme. Quel est cet appareil? J'en ai pas, moi. Moi, j'ai juste un détecteur à conneries qui marche d'ailleurs très très bien. Que Caro et Genet m'avaient fabriqué. Et voilà. Et alors, je parle, j'oublie qu'il y a cette créature ridicule, parce que c'est, il n'y a pas d'autre mot, qui essaye de communiquer sa joie de vivre avec moi. Et je ne me méfie pas du tout, allègrement. C'est ma gentillesse naturelle, ça, je pense. Alors le but, c'est de balancer le plus de... Qu'est-ce qui se passe sur la musique? Ce jeu est improbable. J'ai été une tomate dans un shooter. J'ai fait des choses très reprochables dans des shooters. J'ai vu des choses très incroyables dans des shooters. Y compris des étrons qui servaient de projectiles de la part des méchants. Mais là, je dois admettre que je suis au firmament, maman. Et je suis au paroxysme du ridicule. Alors, ce jeu est très bien, parce qu'il est jouable, malgré que je fasse n'importe quoi dessus, et voilà, que... Il m'intéresse pas vraiment. Mais, rendez-vous compte que le public ciblé, qui est quand même le public de la Toei, c'est... J'ai oublié d'appuyer sur continue, c'est dommage. Tu vas croire que ça a été fait exprès. Je ne m'engagerai pas, comme diraient nos amis à cravate. Mais voilà, Ultra X Weapons. Vous savez maintenant qu'il existe un shmup dans lequel vous pouvez jouer Ultraman. Et si vous êtes fan de toutes ces séries où il y a des méga forces avec des méga slips, méga colorés, je pense que ce shmup ne pourrait que vous ravir, malgré un âge certain, mais il reste super jouable. Ça sera tout pour le stream du jour. Je vous invite à checker cette playlist pour consulter ce que vous auriez raté, ou bien celle-là qui est un petit peu plus spécialisée régime boulette. À demain, 19h. Ciao.